La Côte d'Ivoire est de nouveau au travail. Bonjour et bon réveil à vous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, toujours à votre matinale du sport. Ce matin, je vous propose un thème de séance du body pump qui va consister à renforcer toute notre chaîne musculaire avec l'outil indispensable du coach, la serviette. Donc, à vos serviettes, vous faites comme moi. On va servir la serviette comme un outil de travail. On va simplement dérouler la serviette et justement la plier dans toute sa longueur et la tenir de bout en bout. Et à partir de là, on va commencer, comme d'habitude, à étirer sur tout le corps. Donc, on va lever les bras, tirer là, sur la serviette, là. Alors, sans fléchir le tronc, vous tirez sur le bras, sur le côté, hop. Toujours, bras tendus, 6, 7, 7 et 8, et hop, je reviens, bras tendus, je tire de l'autre côté. Là, vous voyez, au niveau du tronc, je reste toujours en statue droite, le tronc toujours bien aligné, solide, sur les jambes, 7 et 8, je reviens. Alors, on va refaire la même chose, cette fois-ci, je vais descendre en même temps que le bras, sur le côté. Là, 4, 5, 6, 7 et 8, je reviens. De l'autre côté et j'accompagne avec les épaules. Je désaxe sur le côté et je tire. Très bien. 4, 5, 6, 7 et 8 et je reviens. La même chose et là, je vais baisser le bras complètement. Alors, très important, vous tirez sur la serviette de bout en bout. Je monte et je viens. Je lève et je reviens en avant. Je monte au droit. Sur l'épaule, je tends et je reviens droit devant. Je tends la serviette sur les épaules et je tends les bras et en bas. Allez, tendu, épaule, tendu et en bas. Très bien. Alors, on va rester sur un mouvement simple. Je vais lever les bras vers le plafond et au même moment, je vais m'asseoir. Hop, hop, hop. Hop, hop, et bloc. Là, je bloque. Je bloque. 6, 7. Et en me relevant, je baisse les bras. 2, 4, 5, 6, 7 et 8. Toujours en tirant de bout en bout sur la serviette. Et je remonte les bras. Tac. Et je lève les mains vers le plafond. Alors, dans cette position, on y reste 8 secondes. Tire sur les bras. Tire sur la serviette. Là, très fort. 4, 5, 7. Et 8 et tu reviens. Baisse les bras. On baisse les bras, on relâche 4 secondes. 4, 3, 2, 1 et tu remontes. Hop. Alors quand je fléchis sur les jambes, les fesses sont en arrière. Regardez la posture de mes pieds. Le plat de pied est toujours au sol. Talon sol, bras tendu. 8 secondes. 6, 7 et 8. Alors le même mouvement, on va l'exécuter 5 fois. Et je remonte. Hop, hop, hop. Toujours fléchi, talon sol, bras tendu. Et je tire sur la serviette. Et je maintiens. 6, 7 et 8. Tu reviens. Très bien. Dernier. Et hop. Tire là-dessus, sur la serviette. Et tire sur les bras. Tire, tire. Fort, fort. 4, 5, 6, 7 et 8. Et tu relâches. Très bien. Et là, on déplie les épaules. Alors, on va repartir sur le mouvement de base de tout à l'heure. Bras tendus. Dans un premier temps, les mains quasiment de tous les côtés. La serviette sur l'épaule. Bras tendus. Et tu tires. Et tu ramènes. Et tu tires. Tu ramènes. Facile. Tends, tire, tu ramènes. Encore. Tire, tu ramènes. Et là, plus vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et tu bloques. Toujours bras tendus et le coude bien fermé. Là et tu viens. 1, 2, tout droit. Le coude vient se fermer sur le bassin. 4, 5. 6, 7
Et 8. Bras tendus encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et l'autre côté. L'autre côté, flexion, tu fermes, coude. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et tu relâches sur place. Très bien. Là, on commence à être bien chaud. Suis le même principe. Là, on garde les bras tendus, paume vers l'avant. Alors, le regard toujours pointé vers l'avant. Vous fixez un point vers l'avant et les deux bras vont sur le côté. Hop, revient de face. Très bien. L'autre côté. Et revient. Alors, très important, le bassin. Il ne faut pas que le bassin il brille. C'est juste les épaules. Les épaules qui partent et les épaules qui reviennent. Épaule part, épaule revient. D'accord. Épaule part, épaule revient. Alors, pour garder l'équilibre, on fléchit légèrement les jambes. Bien fléchi. Les épaules qui tournent. Une fois à gauche, une fois à droite. Le regard droit. Le bassin droit. Allez. Un. Viens. Deux. Viens. Trois. Viens. Quatre. Viens. 5, toujours tu tiens la serviette de bout en bout. Alors, là-dessus, ne baissez pas les bras. À la hauteur des épaules, paume vers l'avant. On désaxe, on revient. Une fois qu'on a le mouvement, attention, go. 1, là, tonique. 2, va rechercher. 4, 5, 6. Alors, sur ce mouvement, on va travailler sur l'amplitude. Au moins, moins de vitesse. Mais on va chercher le plus loin derrière. Hop. Hop. Cette fois-ci, une légère rotation de la jambe. Hop. Et le bassin qui part. Mais le regard reste toujours pointé vers l'avant. Là. Je regarde toujours vers l'avant. 7. Alors, très important pour travailler la sangle abdominale. Tout ce qui est comme muscle abdominaux. Là-dessus, très sollicité. 6. 7. 7, 7, 7, 7 et 8. On relâche. Relâche, facile. Voilà. On va souffler, on relâche. Simple. Allez. On va revenir à notre mouvement de base au départ. Bras tendus. Tendu. Hop. Et en bas. D'accord. Tendu. Et en bas. Alors, on va combiner tendu. Flexion. Tendu. En bas. Tendu. Flexion. Tendu. En bas, tendu, flexion, tendu, 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 en bas, et on relâche. Alors, sur le mouvement de flexion tendue, là, quand je vais tendre les bras, monte, et je tire, et monte, et en bas. Alors, le mouvement du bras reste identique. Ce qui va changer, c'est la flexion jambe. Hop, sur le premier mouvement, flexion et tire. Deuxième mouvement, flexion et en bas. Allez, un, tire. Un, en bas. Deux, tire. Deux, en bas. Trois, tire. Trois, en bas. Quatre, tire. Quatre, en bas. 5, tire, 5, en bas, 6, tire, 6, en bas, 7, tire, 7, en bas, 8, tire, 8, en bas, dernier, 1, tire, 1, en bas, 2, tire, 2, en bas, 3, tire, 3, en bas, 4, tire, tu continues toujours. Flexion jambes. 5, en bas. 6, alors là-dessus le bras est toujours tendu. En bas. 7, tire. 7, en bas. 8, tire. Et 8, tu poses et tu relâches. Alors on va soulager légèrement. Au niveau des épaules qui sont évidemment très sollicitées, tu vas tirer sur le coude. Vers l'avant. Tire. 7, tire. 7 et 8, tu relâches. L'autre côté,
tu tires, hop, et tu relâches. Alors, un mouvement simple. On va renforcer davantage cette articulation au niveau de l'épaule. Vous pliez la serviette en quatre. Le principal, c'est de coincer dans un premier temps la serviette sous l'aisselle. Et là, vous pliez le bras vers l'avant. Alors là-dessus, le coude reste serré contre le tronc. Mouvement de fermeture, ouverture. J'ouvre et je ferme. J'ouvre, toujours en pressant, hop, la serviette contre le tronc. Hop, ouvre et ferme. Ouvre, ferme. Là, hop, très important, une forte sollicitation de toute la coiffe au niveau des deltoïdes. Alors, pour ceux qui ont des problèmes d'articulation des épaules qui essaient de mettre, c'est un exercice qui est très indiqué pour renforcer la capsule articulaire. Tire. Allez, 6, 7 et 8. Alors, on va faire de même de l'autre côté. La serviette pliée en 4 sous l'aisselle. Et là, vous verrouillez dur. À partir de là, main fléchie, paume serrée. Coude contre le tronc et là, tu ouvres. 2. Très important. 3. Le coude est toujours serré. 4. 5. 6. 7. Et 8 encore. 1. 2. Tu ouvres. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8, je relâche et je détends. Alors, toujours sur le même principe, on va travailler en résistance. Je vais tenir la serviette de bout en bout. C'est facile. Alors, je plie. Là, je tire sur le bras et je ramène. Très important, le coude va rester toujours à la même hauteur que mon épaule. Coup d'épaule et je tire. Je crée de la résistance, je ramène. Là, 1 et je ramène. Le coude toujours à la même hauteur, je tends. Et je ramène. Allez. 2. Et je ramène. Comme si on tirait à l'arc. 3. Et tu ramènes. Très important pour travailler les muscles du bras au niveau des biceps, triceps. Flexion, biceps, extension, triceps. 4. Là. 6. Alors, la même chose. Hop. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. Et tu relâches. Le même exercice sur le pote de l'autre côté. Alors, je vais bien enrouler la serviette autour de la main, tendre le bras, coude tendu, à la même hauteur, le coude il plie et le coude il tend. Avec l'autre bras, je crée de la résistance. Plie, 2, 3. Alors, ce qu'il faut surtout observer, c'est la hauteur du coude, pas en dessous de l'épaule. Et le bras qui fléchit et qui tend, et là je résiste. 4, 5, 6, 7 et 8, un peu plus vite, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et je relâche. Épaule, épaule, flexion jambe, on va tirer de bout en bout toujours sur la serviette, tranquille, hop, et là, on va remonter de rond. Complètement. On va étirer sur le bras, mais tout en mouvement, je lève, hop, et hop, et hop, et je lève les bras sur le côté. Alors, cette fois-ci, avec ce même déplacement latéral, quand je tire à droite, je tends à gauche la jambe, et je tends à droite la jambe. L'autre côté. Quand je vais dans un sens, je tends la jambe de l'autre côté. Je pars dans ce sens, la jambe est tendue de ce côté. En mouvement et en rythme. 1, 2, là. Lève les bras. Tire sur les bras. Hop. Hop. 2. Là, les bras montent vers le plafond. Le même mouvement comme on a commencé. En arrière. Hop. 2. Allez, on va alterner alors. 4 fois derrière et 4 fois sur le côté. 1, 2, 3, 4 côtés. 1, 2, 3, 4, arrière, hop, 2,
3, 4, côté, 1, 2, 3, 4, arrière, hop, 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 côté, hop, 2, 3, 4, arrière, hop, bien derrière, côté, 4 fois, hop, 2, 3, 4, arrière, hop, 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 et on relâche, épaule. Alors, très important, donc vous voyez, dans notre milieu naturel, au quotidien, nous avons des objets qui peuvent vous servir pour avoir une séance régulière, telle que la serviette. Ce n'est pas que pour s'éponger, on peut aussi s'en servir comme de la résistance pour travailler certaines parties de notre corps. Donc, vous n'hésitez pas, avec tous ces mouvements que nous avons fait ensemble, en tirant de bout en bout sur la serviette, en développant sur les épaules, aussi devant, épaule arrière et devant, ou sur un mouvement simple, élévation, toujours bras tendus, tendu et en flexion, facile. Hop. On peut faire du tour, on peut combiner facile. Là, hop, et là, et là, et là, hop, 2 et 4 et on relâche. Alors, tous ces mouvements simples, dans le but que vous les appropriez et que vous le fassiez de façon très régulière pour avoir votre séance quotidienne de sport. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à demain matin.